Les salariés du secteur de la santé ont paralysé Bruxelles ce jeudi. Entre 17 000 et 20 000 personnes ont manifesté pour dénoncer leurs conditions de travail et s'opposer aux coupes budgétaires prévues par le gouvernement belge pour redresser les comptes publics du pays. Les syndicats critiquent aussi les mesures prévues pour reculer l'âge du départ à la retraite. Ben, quand on voit les conditions de travail en maison de repos, les rémunérations, que c'est les salaires les plus bas, les mesures que Maggie veut prendre, on ne peut qu'être ici dans la rue. Dans l'accord, évidemment, on touchera au salaire, les conditions de travail. Il n'est pas normal qu'en maison de repos, une travailleuse doit mettre au lit 16 résidents le soir et les relever au matin 16 résidents toutes seules. En marge de la manifestation, les délégations syndicales ont été reçues à l'échelon fédéral et régional. Un calendrier de négociation a été proposé, mais aucun budget supplémentaire n'est prévu, ont regretté les syndicats. Ces derniers ont prévenu, de nouvelles actions ne sont pas exclues d'ici Noël si le gouvernement ne change pas de cap.